Appréciez-vous. Je déclare ouverte la 17e, déjà 17e séance du premier tour du concours de la conférence. Avec ce soir deux sujets, la justice est-elle aveugle, le premier sujet. Les premiers sont-ils les derniers, second sujet. Et la conférence du stage a ce soir l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Yves Le Borne. Et pour Monsieur Jean-Yves Le Borne, je me lève. Merci de nous faire l'honneur de votre présence, mon cher confrère, vous qui incarnez à vous seul la défense pénale. La défense pénale, c'est Jean-Yves Le Borne. Et ce que je dis n'est pas seulement un souvenir de jeunesse, même si mes souvenirs sont orientés vers son sens du dévouement. Il n'est pas un seul confrère du barreau de Paris qui n'ait, à un moment donné, dans un réflexe bien naturel, pris son téléphone et posé la question de savoir à M. Jean-Yves Le Borne si ce qu'il faisait était droit ou erroné. Alors c'est vrai que Jean-Yves Le Borne est toujours là, à être l'ami des avocats, l'avocat des avocats, pour les défendre au quotidien, dispenser des cours pour les plus jeunes, venir en aide aux confrères les plus expérimentés en but à des difficultés avec tel ou tel magistrat instructeur. Et nous savons qu'ils sont nombreux, ces magistrats instructeurs, à vouloir nous faire des difficultés. Le dévouement, l'amitié, l'orateur, l'avocat, le candidat à la fonction de vice-bâtonnier. L'ami, l'avocat, ils ne font qu'un seul, l'ami de tous les avocats. Et c'est vrai. L'orateur, quatrième secrétaire de la conférence de la promotion Michel Vauzel, qui depuis longue date a quitté ce métier pour les vertus de la politique, avec le bâtonnier, je crois, me l'avait dit, orateur, nous le savons, il n'est pas un seul avocat du barreau de Paris qui ne distingue, qui ne reconnaisse Jean-Yves Le Borne à son timbre de voix. Qui peut l'imiter ? Personne. Jean-Yves Le Borne, c'est une voix. La voix de la défense. La voix de la défense qui incarne la défense pénale à lui seul. Il y a Jean-Yves Le Borne et tous les autres. Et peut-être plus rien, le désert des Tartares. Okay. Alors je laisse aux égocentriques, aux narcisses en tout genre, le soin de rectifier l'histoire. Nous savons que la parole de l'avocat est une parole de combat. La parole de l'avocat est une parole de liberté. La parole de l'avocat n'est pas une parole de délation. Nous ne sommes pas des délateurs. Nous sommes des défenseurs. Un simple éternuement de Jean-Yves Le Borne vous renvoie direct à la cour d'assises. Et c'est ce que nous attendons de l'avocat. Une parole de combat, une parole de liberté. Merci Jean-Yves Le Borne d'incarner les vertus les plus hautes de notre profession, la défense pénale, enrobée, bien sûr, d'une éthique la plus absolue, la plus exigeante, car il n'existe pas de défense pénale sans éthique. Et notre invité de ce soir l'incarne parfaitement. Alors il y a maintenant le candidat à la fonction de vice-bâtonnier. Qu'est-ce qu'un vice-bâtonnier ? Il n'est ni le premier, ni le dernier. Comme le dit très justement M. Jean Castelin, que j'aperçois ici, mon 12e, il y a 25 ans, je ne voudrais pas te vieillir, mon cher Jean. Le vice-bâtonnier, c'est celui qui seconde, seconder le bâtonnier, aider le bâtonnier, l'avocat de tous les avocats, dans cette tâche importante, périlleuse, chronophage, qui absorbe tout le temps d'un seul homme. Le bâtonnier qui doit tout faire et veiller à tout. La tâche est surhumaine. Au bout du chemin, il n'y a pas que l'espoir. Il y a aussi la victoire pour toutes et pour tous. Je pense à l'ensemble des candidats. Mais pour toi particulièrement, mon cher Jean-Yves, la victoire, elle t'attend. Elle te sourit. Alors saisis-la. Merci.
Eh bien, la parole est à l'éloquence. Merci, Monsieur le Bâtonnier, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Je suis un peu surpris, même s'il est toujours vain de s'interroger sur les sujets de la conférence oscillant entre l'impossible et l'absurde, je suis un peu surpris que ce soir, celui qui ait tenu la vedette, celui qui ait rassemblé le maximum des orateurs, ait été celui dont je prévoyais, j'imaginais, qu'il n'intéresserait personne, tant il est vrai que l'idée que les premiers soient les derniers, et inversement éventuellement, n'est autre chose qu'une sorte de consolation ordinaire, une manière de ressentiment mis dans le shaker, de manière à ce que dans l'au-delà, les choses se passent mieux qu'hic et nunc, ce qui est une façon de ravaler sa médiocrité en toute quiétude. Eh bien, j'avais tort. Et il s'avère que la vieille formule proustienne consistant dans cet ineffable goût qu'on ne trouve qu'à soi-même a été l'aiguillon motivant chacun. Et les voilà les uns et les autres, quoi qu'ils aient dit sur le sujet, se préoccupant finalement de la place qui pouvait être la sienne dans l'ordre des hiérarchies sociales ou humaines. Car au fond, on a beau se féliciter de cette compensation virtuelle, et pour plus tard, on a beau considérer qu'elle n'est qu'un leurre, elle renferme tout le souci que l'on a de soi par rapport à l'autre. Et c'est un aveu que de choisir ce sujet qui finalement nous éloigne du présent, nous éloigne du devoir, et nous fait rêver à ce qui pourrait être, indépendamment de ce qui est et qui n'a plus d'importance. J'imaginais pourtant, et au contraire, que l'aveuglement éventuel de la justice allait rassembler des inspirations. Je pensais, au passage, probablement moi-même engagé dans je ne sais quelle fraternisation de l'ego, que l'on verrait dans l'idée de l'aveugle l'occasion d'aller dire que les borgnes sont rois. Personne n'y a songé. J'en suis complètement mari et frustré. Et puis, l'aveuglement de la justice, mes chers confrères, c'est quand même l'élément essentiel qui devrait vous motiver, car il en est plusieurs. Il y a bien sûr l'aveuglement premier, élémentaire, celui auquel on pense, celui dont on vous parle entre la fromage et le dessert, dans les dîners en ville, lorsque la justice se trompe de vérité, lorsque l'on est dans l'erreur judiciaire, lorsque la théorie de l'apparence, la probabilité de la mauvaise âme l'emporte dans la précipitation à juger du juge, lorsque la culpabilité semble être au fond la thèse la plus vraisemblable, parce qu'elle ressemble à l'homme, parce qu'on le ressent comme tel, parce que finalement il en faut vite un coupable, et parce que finalement, mû par une sorte d'impatience, de désir de rapidité, de solution du problème qu'il faut bâcler pour rentrer à la maison à une heure ordinaire, car il n'y a pas d'heure supplémentaire dans la justice, en tout cas pas au sens rétribué où on l'entend, parce que l'hypothèse la plus simple est celle de fournir un coupable. Alors, là, devant cet aveuglement, l'avocat doit se soulever, détruire, décortiquer, démanteler, démentir, déconstruire, démontrer à défaut d'une vérité qui n'est peut-être qu'une hypothèse, démontrer que celle qu'on s'apprêtait à saisir n'est sans doute qu'une solution de facilité et qu'il faut s'en écarter. Et puis, il y a d'autres aveuglements. L'aveuglement plus premier, plus fondamental, celui qui consiste à poser que l'erreur finalement est coupable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vérité, croire en une vérité, mais quelle impudence ! Comment ? Les voilà réunis dans quelques salles sombres, pensant que la vérité va leur surgir,
pensant qu'à travers un raisonnement, ils vont pouvoir s'emparer de ce qui s'est passé, refaire ce qui échappe, ce qui n'existe plus, ce qui appartient à cette sorte de brouillard obscur qui est celui d'hier. Alors là, cette image du bien, cette limite de l'humanité, ce qui fait que l'on pose qu'une vérité doit s'opposer à un mensonge, que l'on n'est pas juge avec la modestie humaine, mais avec cette sorte de pouvoir consistant à affirmer ce qui doit être bon, là aussi, cela aurait pu être de nature à vous révolter. Vous auriez pu vous dire qu'il y avait là un combat, que l'avocat devait au fond ramener le crime dans l'ordre de l'humanité, faire admettre au juge qu'il est divers critères de ce qui est humain, et que ce rejet, cette sorte de vérité fraternisant d'une manière un peu trouble avec une idée du bien posée d'avance, n'est peut-être autre chose qu'un préjugé, qu'il faut amener, domestiquer, apprivoiser le crime, le faire rentrer dans le possible de l'homme et ne pas laisser, finalement, le juge repousser celui que l'on défend dans une inhumanité qui permet toutes les sévérités excessives. Il y a une dernière possibilité d'erreur, une dernière voie d'aveuglement, faire de la mission de la justice un je ne sais quoi de toute puissance, une sorte de manière de dire définitivement ce qui doit être et ce qui ne devait pas être, comme si la justice était autre chose qu'une mission symbolique, une manière modeste, ou du moins qui devrait l'être, d'indiquer la voie, de donner une sorte de cheminement possible à l'homme. Il y a une tentation de l'exemplarité sévère, une manière de dire les choses sans qu'il y ait d'appel possible, sans qu'il y ait de contrariété, une certaine façon de faire la justice un pouvoir absolu, éradiquer le crime comme s'il ne faisait pas partie de notre vie, rejeter ceux qui s'y sont laissés aller un moment dans une sorte de définitif exil où ils n'auront plus aucun droit, plus aucune cité, accablés par une sorte de folie, même ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes en les faisant comparaître. Mes chers confrères, il y avait là une voie qui aurait pu être la vôtre. Il y avait là quelque chose de tracé qui est notre devoir oublié. Voulez-vous un instant la place qui est la vôtre, qu'elle soit celle du dernier ou du premier, hic et nous, nous vivons, nous parlons pour les autres, et c'est à eux que je vous demande de songer demain.